Bienvenue, pasteur. Merci, pasteur. Tout le monde, gloire à Dieu. Vous savez, parfois, quand nous sommes rassemblés comme ça et nous voyons la foule, plusieurs sont perdus dans la foule. Ils disent au prédicateur, prêche, non, non. C'est à toi que je veux prêcher. Et je veux que tu t'identifies, que tu te distingues et que tu te dises, je suis la personne qui va se lever à partir d'aujourd'hui. Et tu vas te lever. Vous savez, on ne le fait pas ensemble. On va se lever, non, on va se lever, non. Rassure-toi que toi en personne, comme si j'étais venu en ce moment même dans ce pays bien-aimé pour t'avoir, et peu importe là où tu es, je te donne ma main et pour te faire lever, je te tends ma main, je tends mon cœur, pas dans mon dos, mais dans mon cœur je te porterai. Et chaque fois que je penserai à toi en particulier. Et aujourd'hui, toi et moi, nous serons en voyage. Nous allons au sommet. Je vais au sommet. Père, nous venons devant toi avec révérence, avec attente, avec foi et avec la compréhension que comme nous sommes venus aujourd'hui, tu transformeras chaque vie au nom de Jésus. Et je prie tout ce qu'il faut pour porter cette seule vie et élever cette vie pour qu'elle aille de l'avant, pour que Seigneur, comme nous étions dans la vallée, nous arriverons au sommet de la montagne. Un changement aura lieu dans les vies individuelles et tu conduiras chacun comme instrument pour changer notre monde. Nous savons que tu le feras. Nous verrons le résultat du programme de ce jour. Tout ce que nous avons entendu du début jusqu'à ce moment, nous prions que cela soit accompli dans chaque vie au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre grand amen. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Debout, prêt à changer ton monde. Debout, lève-toi, prêt à changer ton monde. Premièrement, il y a un monde en nous. Il y a un monde en moi. Il y a un monde en toi. Et ce monde me parle. Et il me dit, de pourquoi te soucies-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? Les gens sont là-bas. Qu'ils le fassent. Et toi, reste là où tu es. Le monde en moi. Le monde en moi dit, ce que le monde au dehors là-bas fait, est-ce que tu n'es pas satisfait de ça? Laisse-les. Ils peuvent inventer l'avion. Laisse-les. Ils peuvent aller sur la lune. Laisse-les. Ils peuvent faire, utiliser l'intelligence artificielle et faire ce qu'il faut faire. Toi ne vas nulle part. Le monde en moi, premièrement, doit être changé. Et les choses auxquelles je me livre à cause du soliloque, des choses que ma pensée me dit, ça c'est suffisant. À ton âge, tu as même fait mieux que les autres qui sont là-bas. Je dois changer le monde en moi. Le monde deuxièmement, le monde en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde. Le monde intérieur. Ma pensée, mon cerveau, mes concepts, ma compréhension, mes limitations,
pensant ce qui est possible à ce qui est impossible. Le monde des Noirs, le monde des villageois d'où je viens. Je dois changer premièrement le monde en moi. Deuxièmement, le monde intérieur. Il y a un troisième monde maintenant. Et sans le premier et le deuxième, tu ne peux pas changer le monde autour de toi. C'est là où les gens veulent commencer et ils se lèvent et ils disent, je vais changer ceci. Non, le monde, la société autour d'eux et le monde au-delà de toi. Il y a un monde au-delà de ta localité. Et tu veux changer ce monde, le monde de l'éducation, le monde de la profession. Voici la manière dont ils l'ont fait depuis des siècles. Le monde autour de toi et le monde au-delà. Des gens qui pensent, ah, voici ce qu'ils sont et voici ce qu'ils vont être pour toute la vie. Tu veux te lever et tu veux changer le monde. Au-delà, et ça va arriver. J'ai dit, ça va arriver. Tu es dans le stade là-bas, sur l'aire de jeu. Et quand ils jouent les jeux, les gens crient. Et s'il y a un toit, leur cri peut même déplacer le toit. Alors, ces footballeurs et ces spectateurs ne doivent pas être excités plus que nous. Et quand je dis quelque chose pour vous, pour que tu dises Amen, c'est comme si tu étais le seul. Donne-moi cet Amen et que je t'entende. Maintenez ce tempo. Vous allez maintenir le pouvoir du changement du Seigneur qui est en toi au nom de Jésus. Prêt à changer ton monde. Ton monde. Le monde qui est en toi. Le monde en monde intérieur et le monde autour et au-delà. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, reconnaître le monde en toi a changé. Reconnaître le monde en toi a changé. Le changement commence chez soi. Le changement commence dans ton cœur. Le changement commence dans ta vie. Le changement commence là où tu es, en toi. Deuxièmement, repens-toi du monde intérieur. Et qui résiste au changement. Tu dois t'examiner. Il y a un monde en toi qui résiste le changement. Et il dit, tu ne prononces pas ce mot correctement. C'est qui je suis. C'est comme ça, moi, je prononce ça. Je me comprends. Si tu ne me comprends pas, pas de problème. Tu résistes au changement. Tu es à ce niveau il y a longtemps. Est-ce que tu peux changer? Est-ce que tu peux tourner? Si tu changes, tu vas gravir. Ah, je suis désolé. Un insensé à 40 ans, un insensé pour toujours. Dis-moi, tu veux me dire que tu es un insensé? Réponds-moi, non? Quand tu dis un insensé à 40 ans, un insensé pour toujours, un insensé à 70 ans, un insensé pour toujours, un insensé à 80 ans, un insensé pour toujours, c'est ce que je faisais jusqu'à aujourd'hui et ce serait toujours comme ça. Tu résistes au changement. Deuxième point, ce serait repens-toi du monde intérieur qui résiste au changement. Troisième élément, troisième point, prêt à changer le monde autour de toi et au-delà. Et ça commence en ce moment même. J'ai dit ça commence en ce moment. Premier point, reconnaître le monde en toi a changé. Reconnaître le monde en toi a changé.
Je vais arranger ce mot-là. Lève-toi en anglais qui arise en réalité veut dire reconnaître les péchés croissants partout. L'acronyme arise. Pourquoi je me lève? Pourquoi est-ce que je vais d'ici là-bas? Parce que je me lève. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, c'est reconnaître les péchés croissants partout. Et c'est pourquoi tu reconnais ça d'abord. Et ça augmente en chacun la paresse, l'oisiveté, les crimes, le péché, les transgressions, les mauvaises choses de ce monde qui prennent de l'ampleur. Et je reconnais ça d'abord. Et ça m'amène à comprendre qu'il faut le changement. Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste 3, 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il a mis dans la pensée de Dieu, dans la création de Dieu, il a mis le monde dans leur cœur. Parce qu'il a dit à Adam et Ève, changez toutes choses, subjuguez, assujettissez toutes choses, maîtrisez toutes choses. Et il a créé le monde de la vision, le monde de la puissance, le monde de capacité, un monde de possibilité. Et il a placé ça dans nos cœurs. Et il dit, je mets ça dans ton cœur. J'ai mis ça dans ta pensée. Maintenant, tu as le monde de la vision et le monde pour te lever jusqu'à ce que tu arrives à conquérir la terre. Il a mis cela dans nos pensées, dans nos cœurs. Alors, avec tout cela, il n'y a plus d'impossibilité. Mais, voyez le chapitre 7, verset 29. Chapitre 7, 29, en Ecclésiaste, il dit seulement, « Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Ils ont cherché beaucoup de détours. Il a mis un monde de bien, un monde de puissance, un monde d'autorité, un monde de vision, un monde de rien d'impossible. Il a placé ça dans leur cœur. Mais l'homme a changé cela et il a cherché beaucoup de détours. Psaume 106, verset 39. Psaume 106, verset 39. Ils se souillèrent par leurs œuvres. Les œuvres, c'est devenu parole d'impotence, des paroles d'aveuglement, et c'est devenu des paroles d'impossibilité. Maintenant, les gens ne réfléchissent plus, ne pensent plus à ce que je peux être, ce que je peux faire. Parce que la création originale qu'il a placée, toutes les bonnes choses pratiques et possibles, toutes les choses positives dans nos cœurs, maintenant, tout a été changé. Et maintenant, les gens se souillèrent par leurs œuvres. Ils se prostituèrent par leurs actions. Nous avons tellement inventé des choses qui nous empêchent de progresser, des choses qui nous arrêtent, des choses qui font que nous n'évoluons pas dans le monde. Et nous devenons des non-entités dans le monde. Dieu, dans sa bonté, dans sa puissance, dans sa capacité de création, il a mis un monde de bien en nous.
Un petit enfant commence à grandir et il commence à tromper les parents, comment mentir, comment faire le mal, comment voler, comment tricher. Et comme nous grandissons, le monde du crime commence à s'infiltrer dans notre vie. Les mauvaises choses que nous ne voyons même pas les autres faire, nous commençons à faire ces choses. Maintenant, il y a un monde de crime, un monde de péché, un monde de transgression, un monde de médiocrité qui est en nous, chacun. Et il veut que nous commençons là-bas, reconnaître le monde en toi. Le monde a changé. Voyons Marc au chapitre 4, 19. En Marc 4, 19, il nous dit ici, mais en qui les soucis du siècle. Vous comprenez? Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit, je mets toutes choses pour que tu t'en occupes, pour s'occuper de ta santé, pour s'occuper de ta force, et j'ai mis tout pour prendre soin de toi, pour prendre soin de ta faim, prendre soin de ta soif, pour prendre soin de tout ce qui est dans ta vie. Mais tout est renversé maintenant. Au lieu que le monde se prenne soin de nous, au lieu que la création prenne soin de nous, au lieu que la bonté de Dieu sur la terre prenne soin de nous, nous avons renversé les choses par les soucis du monde. Et le monde est lourd. Quand vous portez le monde sur vos épaules, quand vous portez le monde sur votre pensée, ça apporte les soucis, ça apporte les anxiétés. Et notre monde, le monde en nous, est un monde d'anxiété. Et c'est un monde de soucis, c'est un monde de douleurs. Tout cela est maintenant en nous. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à dire que nous voulons changer le monde, à moins que le monde en nous ne soit changé d'abord. Et il dit, la séduction des richesses. La séduction des richesses. Tout cela est entré. Et nous cherchons les voies et moyens pour ne pas travailler, mais pour avoir beaucoup d'argent, plus que nous n'avons besoin. Ça apporte les crimes. Et cela conduit au vol. Et il dit, et l'invasion des autres convoitises dans notre cœur. C'est notre monde, le monde en nous, qui doit être changé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, il dit, toutes ces choses entrent, étouffent la parole, étouffent la parole. Ça veut dire quoi? La promesse que Dieu m'a donnée, il a donné dans la parole. Et maintenant, il dit, le ciel, on m'a dit aujourd'hui que ce n'est même pas notre limite, que le ciel est maintenant notre point de départ pour la grandeur. Mais ce monde, cette parole est étouffée par le. Et cela nous amène à penser à cela. Il y a un petit moustique qui essaie de nous distraire. Ce petit moustique nous détourne de notre vision, de notre objectif, et nous détourne des choses merveilleuses que nous devons faire. Ce que je veux dire, tu oublies que tu veux aller au sommet là-bas. Et cette petite chose qui est là, cette petite distraction là-bas, ce petit désir là-bas, ces mauvaises choses d'ailleurs, pas trop grandes, petites, nous détournent du monde que devons vaincre. C'est quoi nous devons découvrir? Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui t'arrête? Pourquoi est-ce que je suis là où je suis? À quoi je pense dans mon cœur? Je sais à quoi tu penses. Parce que tu es comme moi. Quand j'avais ton âge, je pensais à d'où je viens. Et le ministre de l'Éducation a dit exactement ce qui m'est arrivé aussi quand j'étais jeune. Il a dit que son père n'a jamais été à l'école. Parce que sa maman aussi n'a pas été à l'école.
J'ai dit, ministre, est-ce que tu sais que c'est mon cas aussi? Mon père n'a pas étudié les mathématiques. Ma maman n'a jamais étudié les mathématiques. Je les regardais, ils étaient grands. Et je les regardais. Parce que si quelqu'un pouvait être comme mon père, oh, je voulais être comme mon père. Et j'étais enfermé là-bas. Et je revois dans ma pensée le village. C'est devenu ville, mais à l'époque, c'était un village d'où je viens. Est-ce que je vois quelqu'un? Jamais. À l'université. Est-ce que je voyais quelqu'un qui avait fini les études? Jamais. Est-ce que j'avais vu quelqu'un autour de moi qui avait étudié mathématiques? Jamais. Alors, j'étais enfermé comme ça. Et le monde, la vision que j'avais et le sommet de la montagne que je voyais, tout le monde avait enfermé tout cela. Je ne pensais à rien faire du tout. Jusqu'à ce que un changement est venu. Et ton changement va venir. Mon changement est venu pas à cause d'un prédicateur. Mon changement est venu pas à cause d'un mentor. Un enseignant était venu dans notre école en 1958. Tu ne peux pas calculer ça parce que tu n'étais même pas là. Et en 1958, cet enseignant est venu. Je ne le connaissais pas et il ne me connaissait pas aussi. Peut-être que tu ne le connais pas. Peut-être que je ne te connais pas, mais dans la classe de mathématiques, il nous a donné des choses à calculer. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce jour-là, quelque chose en moi s'est réveillé. Quelque chose en toi aujourd'hui va se réveiller. La chose en moi, le monde en moi, était dormant et mort. Parce que mes pensées, voici, je vois d'où je viens. Et ceux que je connaissais plus jeunes, ils étaient des gens normaux, des personnes normales. Donc ce jour-là, quelque chose m'a réveillé. L'enseignant ne m'a pas frappé, il ne m'a pas corrigé, il n'a rien fait. Mais quand nous avons fait ces calculs-là, premièrement, il m'a donné 17. Deuxième, il m'a donné 17. Troisièmement, il m'a donné 17. Et ça fait 51. Ensuite, quatrième, il m'a donné 17. Cinquième, 17. Et sixième, il m'a donné 17. Et il a additionné et tout additionné. Faites l'addition. Ça fait combien? 17. 17 fois 6, ça fait combien? Vous ne pouvez pas faire l'addition là-bas. 17 fois 6, ça fait combien? Dites-le à haute voix. Ça fait 102. Et il n'a rien diminué. Il a laissé ça comme ça. Dieu voulait me réveiller. Et Dieu va te réveiller. Alors il est venu en classe. Et il a sorti les feuilles. Il a appelé tout le monde. Et il n'a pas appelé mon nom. Je me disais, ah, j'ai encore tout gâché aujourd'hui. Parce que j'étais pas trop surpris. Parce que j'étais toujours pratiquement dernier. Et je savais que c'était ma position. Et je savais qu'il allait donner mon nom en dernière position. Et après avoir distribué les copies de tout le monde, alors il a appelé mon nom. Et je me suis levé. Je croyais qu'il allait me dire, qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu es même ici? Qu'est-ce que tu fais ici même? Pourquoi est-ce que toi tu es toujours dernier? Il n'a pas dit ça. Il a dit, toute la classe, regardez ce garçon-là. Il a dit, il a eu 102 sur 100. Mais le deuxième a eu 68 ou bien 51. Ma classe a rugi. Il a dit mathématicien. Ce mot-là a réveillé quelque chose en moi. Je viens te dire aujourd'hui que tu es cet homme. Tu es cette femme. Et je vous transmets ce qui m'a réveillé.
Je vais te réveiller aussi aujourd'hui. Dans la force du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, tu vas te réveiller aujourd'hui au nom de Jésus. Pour les personnes âgées qui sommes là, les adultes, je dois vous dire que vous aussi, vous avez un monde en toi, en vous à réveiller. Vous savez, je pensais, quand j'avais 60 ans environ, et je me suis dit, Seigneur, oh, que tu es merveilleux. En ce moment-là, je pensais à 70 ans et je me disais, je vais faire ceci quand j'ai 70 ans. Et une fois que j'ai 70 ans, je vais finir. Et j'ai 70 ans. Et Dieu a commencé à mettre la vision dans mon cœur à 70 ans. Mais j'ai 83 ans et je ne fais que commencer. Parce qu'à chaque étape de la vie, il y a un monde en toi. Le monde, je suis inutile, je suis dormant, je ne peux rien faire parce que maintenant j'ai 65 ans et le monde confirme cela et on t'envoie à la retraite. Et parce que tu es à la retraite, oh frère, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas encore, hein. Je suis retraité, je suis dans le frigo. Tu sortiras aujourd'hui. La vie ne fait que commencer. Pour toi. J'ai dit pour toi. Ne permets pas aux choses du monde de rester et de rester en toi. Et dis-toi que tu sors. Premièrement, change le monde en toi afin que tu puisses maintenant changer les autres. Et ça va arriver. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Éphésiens 2, 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Vous marchiez selon le train de ce monde. Les pensées du monde, les limitations du monde. Quand vous prenez de l'âge, et même les chrétiens, vous pensez à ce qu'ils disent, à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils haïssent, à ce qu'ils détestent, et comment ils avancent. Et ils ne résistent pas, tu ne résistes pas à ça, selon le train de ce monde. Pense aux principes du monde par lesquels tu vis et qui t'empêchent de courir, de réfléchir rapidement, de mettre des stratégies rapidement en place. C'est comme ça le monde est. Et une fois qu'ils ont réussi, qu'ils ont fini le secondaire, ils disent, est-ce que je ne suis pas chanceux? Oh, regarde, mes camarades de classe, ils n'ont même pas encore fini le secondaire. Pourquoi est-ce que je cours? Ça, c'est la pensée du monde. Maintenant, tu vas à l'université. Et tu arrives à finir et tu dis, ah, est-ce que je ne suis pas chanceux? Ces gens-là, ils n'ont même pas encore fini le secondaire. Là où je suis maintenant, ce sont les pensées de moi qui nous amènent, qui nous arrêtent. Et nous marchons sur le train de ce monde. Et après avoir fini les études, maintenant tu cherches un emploi. Tu veux avoir l'argent. Tu es pressé pour gagner de l'argent. Mais l'argent n'est pas tout. Tu as besoin d'avancer, avancer. Et si quelque chose te montre que tu penses comme le monde, tu travailles comme le monde, tu planifies comme le monde, tu te retires comme le monde et tu n'avances pas à cause des gens autour de toi. Et ils n'avancent pas. Et toi aussi, tu n'es là. Je connais certaines personnes dans leur famille, dans leur communauté. Les gens meurent à 57 ans, 60 ans. Et ils ont ça dans leur cœur, dans leur pensée. Malgré tel est mort à 56 ans, l'autre est mort à 68, l'autre est mort à 60 ans. Et quand ils s'approchent de l'âge de 60 ans, ils sont en train de ranger leur colis.
Il dit, ça vient, ça vient. Ça, c'est comme ça, ça vient hein, autour de nous. Hein. Tu marches selon le train de ce monde. Parce que quand ça vient pour le crime, pour la transgression, et ça vient au mal, plusieurs disent, ah, il n'a pas pu vaincre la maladie, qui suis-je? Je dois avancer. Il n'a pas pu vaincre l'alcool, qui suis-je? Je dois rêver. Il fonctionne selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. L'esprit maintenant qui agit dans les fils de la rébellion. Mais pour toi, le changement est venu. La première chose à faire, c'est de regarder en toi. Nous, en Afrique, on dit, ça c'est l'homme qui empêche mon progrès. Regarde dedans. Nous disons, ah, voici la femme qui empêche mon progrès. Ah, avec leur puissance occulte. Regarde en toi d'abord. Nous devons reconnaître le monde en nous. Le monde en toi va changer. Verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Tu dois lutter avant d'avoir du changement. Il dit non. Je suis venu à toi et tu dois venir à moi afin que je puisse changer ce qui est en toi. Un bon amen. D'abord, il nous sauve du péché. Il nous sauve de ce qui va nous ruiner éternellement. Il pardonne nos péchés. Il nous affranchit du péché, premièrement. Il nous change par la grâce pour nous élever, pour qu'on sorte du puits du péché. Il nous sauve de la société. La société. Je ne peux pas vous parler de l'influence de la société sur moi. Quand j'étais très jeune, même avant que je naisse de nouveau, je les craignais. Après tout, la société était responsable pour mon élévation, pour la nourriture, pour les habits, pour tout. Ils me contrôlaient. Et maintenant, je savais que cette crainte en moi, attachée à ceux qui sont médiocres eux-mêmes, si je continuais comme ça, même si j'étais sauvé du péché, si je n'étais pas sauvé de cette société, pour être totalement soumis à Dieu, pour écouter la voix du ciel, qui dit voici le chemin à suivre, si j'étais sous le contrôle, je ne pouvais pas changer le monde si le monde en moi n'était pas changé. Il m'a sauvé du péché et il le fera pour toi. Amen. Il va te sauver de la société. Un autre amen. Je peux dire que la société in which I went to secondary school. La société dans laquelle j'étais allé au secondaire, je connaissais les principes, je connaissais les pratiques, je connaissais les idéologies qui sont là-bas. Plusieurs comme élèves comme moi, mon directeur était leur modèle. Mais il ne croyait pas à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu. Il ne croyait pas à la puissance qui vient du ciel pour nous changer. Il devait être sauvé de cette société. Il y a des gens qui doivent être sauvés de la substance. La substance, les choses qu'il faut fumer, les choses qu'il faut boire, et ça rentre dans leur cerveau. Et le cerveau, avec tous les nutriments, tout ce qui est là-bas, ne pourra pas être connecté pour aller dans l'avenir.
Parce que la substance les bloque. Et la substance vient du monde. Quand vous buvez cela, vous fumez cela, vous chiquez cela, cela affecte votre cerveau, ça affecte votre vision, ça affecte votre pensée, ça affecte toutes choses. Et il doit vous sauver du péché, de la société et de la substance. Il y a des gens que l'esprit, il y a un esprit qui contrôle leurs actions. Les esprits contrôlent leurs pensées. Les esprits contrôlent ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Là où ils vont, là où ils ne vont pas. Ce qu'ils choisissent, ce qu'ils ne choisissent pas. Ils se font du mal. Ils sont liés par ces mauvais esprits. On peut les appeler démons. Mais Dieu merci, le Seigneur m'a sauvé de toutes choses. Il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, la puissance de la grâce de Dieu viendra dans ta vie et te sauvera de toutes choses qui te retient, qui te retient, qui te retient, qui te retarde. Tu es libre au nom de Jésus. Comment cela se produit? Tu dois reconnaître que ces choses vont ruiner ta vie. Et tu viens au Seigneur dans la repentance. Et tu dis, Seigneur, je viens pour être sauvé. Au nom de Jésus, il va te sauver. Donnez-moi un bon amen. Maintenant, de quoi est-ce que je parle? Ah, est-ce que ça c'est un péché? Vous savez, je dormais. Et si je continuais à dormir comme ça, je n'aurais pas pu avoir distinction dans les mathématiques. Tu n'as pas répondu, hein? Ils ont dit, pasteur, est-ce que tu sonnes ta trompette? Oui. Tu ne vas pas sonner ça pour moi si je ne le fais pas. L'orchestre, il avait la trompette. Il a dû sonner fort, maman. Mais il y a des fois, il faut que je sonne ma trompette. Parce qu'on ne pouvait pas sonner ça pour moi. Pourquoi est-ce que je le fais? Pour que vous puissiez entendre le son. Pour que vous puissiez entendre. Ah, cet homme-là, il était un garçon du village. Il était un paresseux. Et la première chose dans sa vie, quand il était jeune, c'est qu'il dormait. Mais le Seigneur m'a sauvé de ce type de sommeil. Il va te sauver. Il va te délivrer de la paresse. Vous savez, d'autres prédicateurs peut-être ne nous parlent pas de cette manière. Ils disent, oh, il va nous sauver du péché. Ce qu'il veut dire, ah, il va nous sauver de l'alcool, de l'adultère, de la fornication. Et tu es prêt à aller au ciel. Oui, monsieur, mais. Et s'il ne te sauve pas de la maladie du sommeil, s'il ne me sauve pas de ma paresse, et s'il ne me sauve pas de mon oisiveté, et s'il ne me sauve pas de mes pensées négatives, mais Dieu merci, il m'a sauvé. C'est pourquoi je me suis réveillé. Et c'est pourquoi tu vas te réveiller. Tu dis, pasteur, on m'a demandé quand je suis venu dans le pays, pasteur, quelle est ta déclaration de foi? Quelle est ta vision? Ma vision, c'est de susciter des gens plus grands que moi. Et je les trouve ici. Et je te trouve là-bas. C'est pourquoi je vous raconte mes histoires. Vous serez plus grand par la grâce de Dieu, dans la force du Seigneur, par l'appel du Seigneur. Vous serez plus grand que moi au nom de Jésus. Mais il doit vous sauver de tout ce dont il m'a sauvé. Et je peux vous dire, je suis sauvé. Et toi? Moi, je suis sauvé.
Si je n'étais pas réveillé du sommeil, comment est-ce que je peux venir ici? Parfois, avant 5 heures du matin, je suis déjà prêt. Il devait être là, 7 heures, je suis là. Comment est-ce que je peux faire ce que je fais si l'oisiveté contrôlait ma vie? C'est pourquoi je vous dis, le monde en nous, le monde de l'oisiveté, le monde de la paresse, oui, le monde du crime, il nous sauve de toutes choses. Dieu merci, je suis venu ici pour vous dire que Jésus-Christ vous sauvera. Deuxième élément maintenant, nous venons maintenant. Lève-toi! Quelqu'un crie, lève-toi! Ça veut dire quoi? Abandonner la substance ruineuse et emprisonnante au quotidien. Au quotidien. Si tu te lèves, on se lève le matin. Quand tu te lèves, tu vas à la douche, tu te laves. Et chaque jour, tu dois le faire. Se lever, ce n'est pas que je continue à dormir là-bas. Il peut se lever. J'écoute la musique. Ça, c'est pas se lever. Tu te lèves parce que tu abandonnes des substances ruineuses chaque jour. Il peut regarder le jour. Le jour n'est pas pour les substances. Ce n'est pas pour la société. Ce n'est pas pour les mauvais esprits. Ce n'est pas pour ceux qui ne réussissent pas. Et il veut contrôler ta vie. Et tu dois dire non. Je me lève chaque jour. J'abandonne la substance ruineuse et emprisonnante au quotidien. Et ensuite, repends-toi du monde qui est en toi, le monde intérieur qui résiste au changement. Le monde intérieur qui résiste au changement. Repends-toi du monde intérieur qui résiste au changement. Ça, c'est la deuxième chose. Est-ce qu'il y a des choses que toi-même tu sais qui doivent être changées? Mais ta nature résiste à ce changement. L'aveuglement en toi. Et la pensée négative en toi, qui a besoin de changement, cette chose en toi résiste au changement. Dans ton langage, dans le vocabulaire, ils pensent rien parce que tu es insulé, ils pensent que tu es orgueilleux. You look down on everybody, que tu rabaisses tout le monde. Down on everyone, everything, your attitude, ton attitude, attitude within, that you give expression to, qui donne expression au lieu que les gens s'approchent de toi pour t'aider, pour t'élever. That man, cet homme acide qui sort de sa bouche. Il ne veut pas qu'il déverse son esprit, sa pensée en moi. Ah, cette dame a des paroles acidiques qui sortent de sa bouche. Je ne veux pas qu'elle déverse l'acide sur moi. Tel et tel. Cette chose en toi résiste au changement. C'est pourquoi nous sommes venus. Pour que cette résistance, nous puissions nous en repentir au nom de Jésus. Un autre amen. Vous savez, dans la vie, s'il y a quelque chose, j'ai appris à respecter les personnes âgées. Quand j'étais plus jeune, au-delà de la Bible, ma maman me racontait beaucoup d'histoires. Et tout s'achevait toujours avec le respect et l'honneur des personnes plus âgées. J'ai eu plusieurs opportunités à cause de ce respect, à cause de cette humilité. They count small. I don't count it small.
il considère petit, il dit merci. Thank you very much. And that attitude has lifted me up and up and up. Et cela m'a élevé. And thanking you now because you came. Et je dois vous remercier, quelle que soit la capacité d'expression, quel que soit le talent d'évangéliste que j'ai, cela n'est pas venu à qui j'allais parler. Thank you very much. Merci beaucoup. I said thank you very much. If I speak, si not je vous parlais mal. So, this is the way this man speaks. Okay, I'm here, I'm here. Next time, la prochaine fois, si on m'invite encore, je ne viendrai plus. That's why, c'est pourquoi, this time now, en ce moment, I have to say thank je dois vous dire merci. I know, as I say thank you to si je vous dis merci, I'm to come again, quand je dois revenir, et tu amèneras tes amis. If you want to clap, si vous voulez acclamer, acclamez. There are things in us. Il y a des choses en nous. There's a kind of character. Il y a un type de caractère en nous that is not going to help us qui ne va pas nous aider ou nous faire avancer. Yet, we're resisting change. À moins que nous résistons au changement. Aujourd'hui, je ne vais pas résister au changement. Today, aujourd'hui, tu ne vas pas résister au changement. Because parce que tu te repens des choses qui ne sont pas bonnes pour ta vie. Romains 12, verset 2. Verset 2, voici ce qu'il nous dit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez, nous rencontrons le monde tel qu'il est. Je ne parle pas de la géographie. Nous rencontrons le monde du crime, dans le péché. Nous rencontrons le monde des jeunes qui nous rencontrons le monde des jeunes qui ne respectent pas leurs parents. Nous rencontrons le monde dans la condamnation. Maintenant tu es là dans le monde. Ne sois pas comme eux. Qui est la repentance? Qui est une transformation? Tout ce qu'est du monde que tu rencontres, que tu ne les as pas créés, la mondanité. Le manque de respect, tu n'as pas créé ça. Tu as rencontré ça ici. C'est le monde intérieur. C'est dans le cercle familial. C'est à l'intérieur, dans notre tribu. C'est à l'intérieur de nos différentes tribus. Et il est tel. Parce que c'est là. Et parce que je suis né là, je marche dessus, je le minimise. Ça, c'est le monde que nous avons rencontré ici. Elle est une femme et je suis un homme. Même si je ne suis pas allé à l'école, je suis un homme et je dois marcher sur elle parce qu'elle est une femme. C'est ce que nous avons rencontré dans ce monde. Et on dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons changer tout cela dans notre communauté, dans notre tribu, dans notre culture. Cela doit changer. On dit, Seigneur, le monde que j'ai rencontré ici et qui vit en moi maintenant et qui rend la vie difficile aux autres, Seigneur, je m'en repens. Si tu veux changer le monde, si tu ne changes pas le monde à l'intérieur, essayer de changer le monde à l'extérieur ne donnera rien. Tu dois changer le monde de l'ingénierie, changer le monde de la médecine, le monde de l'éducation. Et tu maltraites ta femme à la maison parce que c'est ce que les gens dans ta communauté font. C'est, tu veux changer l'éducation, tu veux changer ceci, changer cela. Mais tu n'as pas changé telle habitude. Fouler aux pieds
les autres et à, ayant ton concept, ton idée, ta vie. Et tu veux imposer ça aux autres, mon ami. Rien d'autre ne va changer ailleurs. J'ai appris des gens, comme nous discutons, interagissons, ils parlent et ils veulent changer ceci, changer cela. Et je leur pose une question très simple. Tu veux changer ça dans le monde, dans l'économie? Tu veux changer telle autre chose? C'est bon. Tu veux changer l'économie du monde? Est-ce que tu as changé l'économie de ton foyer? Comment est-ce que tu dépenses l'argent? Comment est-ce que tu distribues l'argent? Sur quoi dépenses-tu ton argent? Est-ce que tu connais tes revenus? Est-ce que tu sais sur quoi tu dois dépenser ton argent? Est-ce que tu sais comment attribuer tel montant, ce qu'il faut donner à Dieu, ce que tu dois donner à l'éducation de tes enfants, comment attribuer ceci pour le loyer, comment attribuer ceci ou cela, et quel que soit ce qui reste, ce qu'il faut faire de l'argent restant, et tu sais comment économiser autant que possible pour l'avenir? Te dis, pasteur, non. Mais je dis, tu veux changer l'économie du monde. Et dis, je n'ai pas pensé à ça. Commence chez soi et l'habitude qui résiste au changement. Alors le reste s'en suivra au nom de Jésus. Et ça va t'arriver. Le changement intérieur auquel tu devais penser et auquel tu résistais, le changement qui doit se produire d'abord et auquel tu résistais, je vais aller dans le monde et changer le monde. Reviens ici. Change ceci d'abord. Change tel autre monde. Ça va t'aider à mener une vie paisible. Ça te permettra de mener une vie longue. Mais tu es fâché contre ceci, tu es fâché contre cela. Et tu es impatient avec ceci, tu es impatient avec telle autre chose. Tu auras l'hypertension. Si tu as l'hypertension, comment est-ce que tu peux changer le monde de l'autre côté? Tu penses à ceci. Oh, tu as une mauvaise attitude envers la personne à côté de toi. Mauvaise attitude envers les problèmes que tu as, mauvaise attitude envers même ceux-là qui veulent t'aider, et tu veux te lever et tu veux les dépasser pour aller changer le monde autour de toi. Non, le changement auquel tu résistes, le changement qui doit avoir lieu maintenant, ce changement doit d'abord se produire d'abord. Et quand ce changement a lieu, par la grâce de Dieu, la force, la vision, la puissance, la grâce, la concentration pour changer le monde au-delà de toi va arriver au nom de Jésus. Et il faut la repentance. Il faut un changement. Il faut reconnaître qu'en toi, il y a quelque chose de très important qu'il faut avoir pour changer avant que tu ne puisses changer le reste du monde. Les changeurs du monde ne pensent pas à eux-mêmes. Ils veulent changer le monde au-delà d'eux. Si dans le monde à l'intérieur de toi, tu es égoïste, tu es égocentrique. Même dans le foyer, tu tournes jusqu'à ce que le meilleur, le gros morceau vienne pour toi d'abord, tu mets ça dans la bouche. Et tu ne penses jamais aux besoins des autres. Les autres ont faim dans la famille. Les autres ont besoin dans la famille. Tu es même mari ou même une femme. Tu as des enfants. Et tu ne penses qu'à toi seul d'abord. Et tu veux aller vers le monde pour changer le monde. Qu'est-ce que tu vas changer? En quoi tu vas changer le monde? Tu dois avoir ôter cet égocentrisme de ta vie. Et tu dois avoir la volonté de soi ôter de ta vie. Et c'est ça qui résiste au changement. Mais aujourd'hui,
Nous allons nous repentir. J'ai dit, nous allons nous repentir. Et ensuite, nous pourrons maintenant essayer de changer le monde. Parfois, quand je pense à ce qui est arrivé par le passé dans ma vie, je ris et je ris. Je ris. Avant de naître de nouveau, j'enseignais déjà les mathématiques au secondaire, au primaire. J'enseignais toutes les classes. Je voulais changer ces enfants pour qu'ils apprennent les mathématiques. Parce que j'étais ivre de mathématiques. Mais j'avais ma chicotte en main dans les années 60. J'enseigne. Et si quelqu'un n'obtenait, j'avais le bâton. Parce que j'essayais de les aider. J'étais même en colère contre eux. J'étais fâché. Quand ils ne faisaient pas leurs devoirs, ne faisaient pas cela. Bon, j'ai certains de mes écoliers qui passaient les examens. En 64, je suis né de nouveau maintenant. Et les choses en moi qui avaient besoin de changement ont changé. Et j'enseignais toujours dans la même école. Maintenant, j'étais allé en classe, plus de chicotte en main. Et si quelqu'un ne comprenait pas, j'expliquais. Parce que je les aimais d'abord, avant d'aimer les mathématiques. Vous savez, ce changement doit avoir lieu d'abord. Nous aimons les gens. Nous respectons les gens. Nous voulons le meilleur pour les gens. C'est alors tout ce que vous avez, toute la connaissance que vous avez, les expériences que vous avez, quand vous aimez les gens et aimez les gens, il faut un changement dans votre cœur, dans votre vie d'abord. Et c'est ce qui vous amène à être quelqu'un qui change le monde. Vous pouvez être un professeur. Vous pouvez être une personne hautement éduquée et vous voulez ceci pour eux. Vous voulez ceci pour avec eux. Quelque chose doit changer en vous d'abord. Et lorsque cette chose change en vous, c'est alors que vous pourrez maintenant aller de l'avant pour être un changeur de monde. Donnez-moi un bon amen. Et le Seigneur le fera en vous au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, troisième point. Lève-toi, ça veut dire ici réveiller, juste, impactant, radieux, avec diligence. Maintenant, parce que les ténèbres intérieures ont été ôtées, et parce que la nature pécheresse a été ôtée maintenant, vous pouvez aller de l'avant avec la vision que vous avez, la vision que le ciel donne. Vous pouvez aller de l'avant avec la grâce que le Seigneur a donnée. Vous pouvez aller de l'avant avec la passion que vous avez de changer le monde. Rappelez-vous une fois encore, de quoi parlons-nous ici de changer le monde? Changer les arbres, ça va au-delà de ça. Est-ce que c'est changer le paysage? Ça va au-delà de ça. Est-ce que c'est changer les rivières et canaliser l'eau, les rivières telles? Ça va au-delà de ça. Changer le système, ça va au-delà de ça. Changer les gens du monde, les gens qui vivent dans le monde. Qu'est-ce que je veux changer en eux? Je veux changer leur incrédulité en la foi. Dieu va les aider. Je veux changer leurs ténèbres en lumière. Ça va les aider. Je veux changer leur haine en amour. Ça va les aider. Je veux changer le fait qu'ils soient liés, le fait qu'ils soient préoccupés par la terre pour qu'ils se soucient du ciel. Ça va les aider beaucoup. Je veux changer leur attitude de la mauvaise attitude pourrie
en une bonne attitude. Ça va les aider. Je vais changer leur personnalité. Je vais changer la manière dont ils pensent, la manière dont ils parlent, la manière dont ils marchent, la manière dont ils vivent sur la terre. Ça, c'est le changement. Ça, c'est le changement. Le plus grand changement. Et changer les structures, les infrastructures. Ça, c'est bon. Si je change les infrastructures, si je change les systèmes, et ceux qui utilisent les infrastructures ne sont pas changés, quel bien sera fera-t-il à la société? Si je change les enfants pour être soumis et je ne change pas les parents pour être aimables et considérés, qu'est-ce que je change? Si je change la manière dont ils traitent les matières scientifiques, comment ils deviennent des auteurs, ils deviennent des écrivains. Si je change tout cela, et maintenant ils peuvent écrire plus, et faire plus, et agir plus, mais le fait d'aimer les gens, être gentil envers les gens, si cela n'a pas été changé, qu'est-ce que cela aura fait? Nous parlons de changer le monde des gens. Maintenant, c'est prêt à changer le monde autour de toi et le monde au-delà pour être changé. Prêt à changer le monde autour de toi et au-delà. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Actes des apôtres au chapitre 9, verset 6, Actes des apôtres, chapitre 9, verset 6. Ici Paul, l'apôtre, il était un persécuteur et un homme violent. Il avait déjà la puissance, il avait l'autorité. Il pouvait prendre la lettre, récupérer la lettre de leadership du pays et aller partout et persécuter qui que ce soit. Il avait l'autorité. Il n'avait pas une bonne pensée, il n'avait pas un bon cœur, mais il avait l'autorité. Il n'avait pas la compassion, n'avait pas la grâce, mais il avait des lettres d'autorité, de puissance, de courir après les attraper et les jeter en prison. Ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas seulement l'aide d'autorité, c'est la vie changée, un cœur changé. Et le Seigneur a touché son cœur. Et maintenant, il pouvait poser la question que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il a été humilié. Il a maintenant la bonne attitude. Il a eu maintenant un changement de vie. Il a eu un changement de perspective. Maintenant, il savait que les hommes sont des hommes. Les femmes sont les femmes. Il s'est donné la liberté, la latitude de vivre comme il veut. Il ne donnait pas cette liberté aux autres femmes qui croyaient au Seigneur pour qu'ils marchent selon leurs convictions. Mais maintenant, Dieu a changé sa vie. Il a laissé tomber ce qu'il faisait par le passé. Et il a dit Seigneur. Il a appelé Jésus Seigneur. Il a dit, je veux aller dans la bonne direction avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est après ce changement, après ce salut, après cette transformation que le Seigneur maintenant lui a donné ce qu'il faut faire à travers lui. Lui a montré ce qu'il faut faire. Va à Damas, on te montrera ce que tu dois faire. Saul n'allait jamais se comporter comme ça si le changement intérieur n'avait pas eu lieu. Alors il est allé à Damas, il priait. Quoi? Cet homme a été changé. Voici un homme. Tout ce qu'il voulait faire, il sautait seulement, il le faisait. Mais maintenant, il priait. Il a la question, que veux-tu que je fasse, Seigneur? 3 jours dans la prière, Ananias est venu. Il a dit à Ananias, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin pour te changer et pour te transformer la vie, m'a envoyé vers toi. Il a dit, pourquoi je te dis ceci? Et depuis ce jour-là, il a continué, commencé un nouveau voyage. Tu vas commencer un nouveau voyage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a écrit avant ce changement? Rien du tout.
Quel, à quoi son zèle avant ce changement? Plus de rien du tout. Maintenant, à Damas, sa prédication, son exhortation a changé les gens. Il voulait les persécuter avant, mais les passer de là ailleurs, en changeant les gens, changeant des vies et changeant des destinées. Maintenant, il a écrit beaucoup plus du Nouveau Testament à cause du changement que le Seigneur a apporté dans sa vie. Alors, te voilà aujourd'hui et je veux commencer à ce niveau. Et tu dois évoluer. Tu vas avancer. J'ai dit, tu vas avancer. Parce que maintenant, le changement qui a eu lieu, le monde en toi, le monde qui a eu lieu, le monde intérieur te conduira à être prêt pour changer le monde autour de toi, pour changer le monde au-delà de toi. Et ton monde, rien autour de toi, au-delà de toi, dans chaque domaine, qui a besoin de changement, en particulier le changement qui les prépare pour le ciel. Ce changement à travers toi aura lieu au nom de Jésus. J'ai rencontré différentes personnes et elle a dit, « Oh, enseignant, j'étais dans ta classe. Maintenant, je suis un ingénieur. » Je dis, oh, gloire à Dieu. Et l'autre me rencontre et il me dit, enseignant, par ton influence, ton impact dans ma vie, je suis devenu un docteur. On dit, ah, enseignant, maintenant, je poursuis telle étude. Je suis professeur maintenant. Je dis, oh, gloire à Dieu. Mais vous savez, ceux qui me voient et qui me disent, tu m'as enseigné mathématiques et c'était bon, mais maintenant, au-delà de ça, à travers tes messages, je suis né de nouveau. Je suis maintenant et je vais au ciel. J'ai dit, ça c'est plus grand. Tous ces gens-là à qui j'ai enseigné, qui sont devenus ceci ou cela, c'est seulement pour la terre. Mais les personnes qui écoutent les messages et ceux-là dont les vies ont été transformées et maintenant, ils sont sur la voie du ciel. Je dis, Seigneur, merci. Tu as fait de moi un agent de changement dans la vie de ces personnes. Alors, c'est la même chose que tu devais avoir, des gens qui deviennent seulement de grands hommes sur la terre, des ingénieurs, de grands docteurs, de grands professeurs, professionnels, mais qui sont devenus de vrais enfants de Dieu et qui sont nés de nouveau. Et leurs vies ont été transformées. C'est en ce moment-là que ton plus grand impact doit être. Et tu le feras. Premièrement, il le fera pour toi. Et deuxièmement, il le fera à travers toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? J'ai dit, est-ce que tu es d'accord avec moi? Pour être millionnaire ou bien être un évangéliste, lequel veux-tu? Je ne t'entends pas. C'est une nouvelle génération. Quand j'étais venu pour la première fois, quand je posais la question, il me répondait à haute voix, sois une meilleure génération. J'ai dit, lequel veux-tu choisir? Millionnaire ou bien évangéliste? Quelqu'un aide les gens ici à se lever, Mais quelqu'un qui change de vie, et change des attitudes, et change des comportements, et change des caractères, et utilise ce qu'il a eu pour leur donner ce qu'ils doivent avoir et pour être un enseignant de la parole et pour que le monde soit meilleur, pour que leur lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu, votre Père qui est dans les cieux. Et je suis sûr que c'est ce que vous voulez être. J'ai dit, je suis sûr que c'est ce que vous voulez être.
Alors la tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés, s'il vous plaît. Vous voulez faire le premier départ pour qu'il y ait un changement en toi. Vous voulez commencer au bon niveau pour qu'il y ait le changement en toi. Et toutes ces choses du monde, toutes ces choses dans le monde qui vont t'empêcher d'aller au ciel. Tu veux te débarrasser de ça. Tu dois te repentir de ces choses et demander au Seigneur de te sauver, de te pardonner, de transformer ta vie. Tu veux cela maintenant? N'importe où tu es, lève simplement ta main. Que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu te bénisse là-bas. Que partout où tu es, à galerie là-bas, sur l'air des jeux, sur l'esplanade. N'importe où tu es, tu veux ce changement maintenant et tu ne résistes pas à ce changement. Moi, je ne veux plus être un voleur. Je suis un menteur, je veux rester voleur. Je suis un soula, je veux rester soula. Ou je suis un fumeur, je veux rester fumeur. Ça, mais tu ne veux pas résister à ça. Tu dis, Seigneur, me voici. Je veux le changement. Me voici. Je veux la transformation. Me voici. Je me repens et je reviens. Et je veux avoir Christ maintenant. Christ, pas le crime, Christ, pas la corruption, mais Christ maintenant, pas la mondanité, mais Christ maintenant, vivant en moi, partout où tu es, comme tu lèves la main, mets-toi debout, levez-vous, tu as levé la main, mets-toi debout, tu veux la grâce de Dieu dans ta vie, tu veux le salut du Seigneur dans ta vie, et tu veux le changement dans ta vie. N'importe où tu es, comme tu te lèves, que Dieu te bénisse debout. Comme tu te lèves, les yeux fermés toujours, parle à Dieu dans la prière. C'est lui qui t'appelle. Il veut transformer ta vie. Ces mauvaises choses dans mon cœur. Le monde en moi. Les bagarres en moi. Les crimes en moi. Les transgressions en moi. Je découvre les rébellions en moi. Je découvre. Seigneur, je me repens. Seigneur, je me repens. Que ce changement, cette transformation commence en moi. Il le fera. Demande-lui par la foi. Dis-lui que tu ne veux plus continuer dans la mauvaise direction. Le changement. Le changement. Viens à Christ. Que Christ vienne en toi. Si un garçon, une fille, un homme, une femme est en Christ, et Christ en lui, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là où le changement commence. Parle au Seigneur. Abandonne le mauvais caractère. Abandonne la corruption. Abandonne les choses de ce monde qui vont t'empêcher d'aller au ciel. Abandonne-les. Seigneur, j'abandonne tout à Jésus, mon Sauveur, j'abandonne tout. Amen. 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 La main levée, toujours, je vais prier pour vous maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, Père, au nom puissant de Jésus, tu as dit que quiconque vient à toi, tu ne vas pas le rejeter. Ceux-ci sont venus, abandonnant le passé. Ceux-ci sont venus, rejetant et se repentant des choses du monde en eux. Je prie, Seigneur,
pardonne tous leurs péchés du passé et leurs transgressions, leurs iniquités au nom de Jésus. Amen. Je prie, Seigneur, que ton changement transforme leur cœur, leur vie, leur attitude, et tu laves la culpabilité et la condamnation du passé au nom de Jésus. Amen. Je prie, Seigneur, une nouvelle vie vienne à chacun maintenant. Une nouvelle nature, une nature à l'image de Christ, la nature totalement transformée en eux, et avec cette nature, tu les envoies pour apporter des changements dans leur monde. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Ça c'est bon, ça c'est bon, un grand amen. Mais notre amen. Merci beaucoup. Notre dirigeant viendra et nous conduit dans cette session. Je reviendrai après et je vais prier pour tous les besoins de votre vie. Counselors, make sure that you collect their names, addresses. They have phone numbers. Make sure that you get detailed information about. Pour ceux qui ont levé les mains dans nos différentes nations, là où nous avons tenu le programme, aider ceux qui ont pris la décision à remplir les fiches de décision. Nous voulons les aider. Après, dans leur nouvelle décision, pour qu'ils puissent évoluer avec le Seigneur. Donc, occupons-nous rapidement de ceux qui ont levé la main et prenons les informations correctes pour que nous puissions garder contact et les aider. Let the writings be legible so that you're able to see after you have presented your cards. Go around all those who have decided, make sure that you get their information. Not only in the Alpha location, wherever you are, in any part of the globe, linked to the Impact Academy. N'importe où vous êtes, si vous suivez en ligne, si vous êtes en ligne, il y a un formulaire également que vous allez voir, que vous pourrez facilement remplir. Get all the needed and necessary information. Want the leaders to go to where the people are on top there. Let them join what you are doing. You should not do their own thing. Occupons-nous des nouveaux convertis, s'il vous plaît, de ceux-là qui ont levé la main parmi nous. Counselors should move to the top. There are no people there. Move to the place to collect information concerning those who have taken decision.
We want some of our leaders to go to where the people are making some unnecessary noise and see how to put them to bring them to order. If you are watching online, si nous suivez en ligne, and you gave your life to Christ after the pastor's message, après le message du pasteur, this morning, ce matin, il y aura le lien gck.org/connect que vous pouvez remplir. Displayed on your screen, please visit the link. Visitez le lien. Remplissez-le que nous puissions vous aider dans votre marche avec Christ. Also, if you are listening via the radio, si vous suivez la radio ou la télévision, and you just gave your life to Christ, vous avez donné votre vie à Christ. Send your name, your phone number, and your location address via SMS. Et par SMS, vous pouvez nous écrire. To plus 234-915-444-9263. Again, WhatsApp to plus 234-915-444-9263. There will be a special meeting. There will be special meeting online. Une séance spéciale. Online. Pour le banquet des convertis, pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Our pastor will be delighted to have you join this special banquet. So wherever you came from, more detailed arrangement will be made known. And you'll be able to join. There will also be Alpha Locations Believers Banquet on Sunday, 4th August, 2024. At all Deeper Life Bible locations closer to you, globally. Not only at the Alpha location here. The time will be 3 p.m. Please, all those who are able to assist in the writing of the names. I see the choristers have already gone. So all those workers and leaders who can assist, please do so. I'm told the number is so large. So wherever you are in the stadium, if you're a member or a worker or leader, make sure that you join in the writing down the names of those who have decided for Christ. Wherever you are working as an usher, or any other thing that will not hinder you from assisting, please do so.
And if you're a chorister and you have not joined them, please do so. If you are watching online and you gave your life to Christ after the pastor's message this morning, there's a link, gckhq.org/connect, displayed on your screen. Please visit the link and fill out the form, so we can assist you further. Donc remplissez le formulaire pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche avec le Seigneur. Also, if you are listening via the radio or television, you just gave your life to Christ. Vous avez donné votre vie à Christ. Send your name, your phone number, and your location address via SMS. Or WhatsApp to +234 915 444 9263, +234 915 444 9263. There will be a special online banquet. Il y aura un banquet spécial pour ceux qui nous suivent en ligne, who gave their lives to Christ, qui ont donné leur vie à Christ, on Sunday, 4th August, dimanche 4, 2024. More details about this will be sent to the various schools where you came from. And if you are not at the Alpha location, we want the leaders also to ensure that they give information that will help them to attend the online banquet. Our pastor will be delighted to have you join this special banquet. Thanks. There will also be Alpha Locations Believers Banquet on Sunday, 4th August 2024, at any Deeper Life Bible Church around you. And where we have school fellowships, arrangements should be made with the authorities who, by the grace of God, granted us the chance to bring them. So let's make sure that proper follow-up takes place in all the schools. You are also invited for this evening's crusade. Vous êtes aussi invité à la croisade de ce soir at the Alpha location au lieu Alpha. And also wherever you are in any part of the globe, you are expected to join us to receive blessings from the Lord. Vous pouvez donc venir recevoir les bénédictions du Seigneur par le serviteur de Dieu. Those in the Alpha location ceux here, qui sont au lieu Alpha. After this crusade on Tuesday, après la croisade mardi, il y aura un autre programme spécial KNUST, 6 p.m. de mercredi so à 18h. Rassurez-vous que vous venez là-bas pour recevoir les bénédictions du Seigneur. Counselors, make us to know if you have been able to go through. And if you have finished your session, please move to where
your help will be needed so that I'll be able to get the particulars of all those who decided for the Lord. God says, I see you sitting down. The work is not finished, except you have been told you have also finished. So still go there to assist where your help will be needed. I hope there are people at the VIP stand who are doing the same thing. And at my right hand, and if there are people at the back of the stage also, don't leave anybody out. Your souls are precious to God. Christ said it, and it's emphasized in the Bible. We are helping them in the academics. We have to help them to make heaven also. Else, all our efforts are in vain. The certificate they get here will end here, the BA. But born again will take them beyond this world to heaven. So let's write their names legibly so that after the meeting, we won't find it difficult to locate them. I'm still waiting to hear from you if you have been able to finish the job. Give correct information about yourself. Donnez les bonnes informations à votre sujet. Vous décidez pour Christ. Il n'y a plus de raison pour le mensonge. Assurez-vous que vous donnez vos informations correctes. Correct phone number. Correct school and all information you have to give us. Everything should be correct. Let's attend to all those on the field and all the people on top, the VIP stand, everywhere, get to the people. This is very, very important. Very soon we are going to round up, so make sure that you have done justice to the job.
Counselors, make sure you give the cards to the right people so that all of them can be brought together and we begin to sort out how we are going to do with the follow-up. Please, the leaders should ensure that we have some people before everything comes to an end. You have sorted the cars out. Don't dump them anywhere. Should not be more than 24 hours when we begin to get in touch with them. So make sure that you group them according to the schools and wherever they came from. Now, let everything come to an end. Our convener is here to pray for the children and everyone here. Thank you. God bless. Merci. Le pasteur revient prier pour nous. Amen. Wonderful. Merveilleux. Heaven loves. Le ciel aime ce t'amène. Je vais vous permettre d'envoyer notre amen au ciel. Amen. I told you. Je vous ai dit that you should think as if de penser comme si je te parlais à toi en particulier. Et je vais prendre ta main, spirituellement parlant, t'élever. T'élever. Et tout ce qui était l'obstacle dans ta vie est annulé maintenant au nom de Jésus. Je lis, je ne me rappelle pas. Ça, c'est annulé au nom de Jésus. Je dois vous dire ceci. Nous sommes ici et c'est notre jour. J'ai dit, c'est notre jour. Nous étions à une réunion. Père, mère, les jeunes et les autres. Et à la fin de la séance, j'étais sur le point de partir. Et les surveillants m'ont dit, il y a un homme ici qui veut vous voir. J'ai dit, merci beaucoup. Je suis venu vers devant le pupitre et j'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez vous voir? Il dit, je veux que mes deux garçons vous serrent la main. J'ai dit, c'est tout, pas de prière, non. Serrer ma main seulement. J'ai étendu ma main au premier garçon. Je l'ai serré la main, que Dieu te bénisse. J'ai étendu la main pour serrer le deuxième enfant. J'ai dit, que Dieu te bénisse. Et le père a dit, merci pasteur. On reviendra avec témoignage. Il ne m'a même pas dit quel était le problème. Alors plus tard, il est revenu avec témoignage. Et plus tard, toi aussi tu reviendras avec témoignage. Il a dit, ce premier garçon que tu as serré, à qui tu as serré la main là, je l'ai envoyé dans les meilleures écoles du pays. J'ai payé beaucoup d'argent. Et il a été renvoyé. L'école a dit même, c'est plus la peine d'enseigner cet enfant-là. Il n'y a plus de cerveau. Le cerveau est mort. Et il est retourné dans la même école après que je lui ai serré la main. Il a dit, s'il vous plaît, essayez-le encore ce semestre. Et il a plaidé, c'est moi qui veux payer l'argent. Je vais dépenser. Si vous pensez que c'est un gaspillage d'argent, donnez-moi seulement un semestre. Inscrivez-le seulement, juste le semestre. Alors, ils ont accepté. Et rappelez-vous, le garçon avait été renvoyé. Ça ne marchait plus, ne comprenait rien. Et à la fin du premier semestre,
Il était le troisième de la classe. Ce qui bloquait son cerveau a été ôté. Tout ce qui a bloqué ta destinée sera ôté maintenant. Tout ce qui a bloqué ton progrès sera ôté maintenant. Dieu va te changer de l'intérieur et changer le monde autour de toi au nom de Jésus. Où est ta main? Je vais oindre ces mains-là par la puissance du Seigneur. Tout ce que tu feras de ce jour avec ces mains doit réussir. Lève cette main, Père, au nom de Jésus. J'amène tes fils, j'amène tes filles, j'amène tout le monde, ta création ici, ta créature là-bas, partout, je les amène devant toi. Change leur destinée au nom de Jésus. Ôte les retards de leur vie, ôte les échecs de leur vie, ôte tout ce qui est négatif de leur vie au nom de Jésus. Aucune puissance de la tombe, puissance de la mer, aucune puissance de la forêt ne pourra les empêcher au nom de Jésus. L'échec est annulé, maladie est annulée, oppression annulée, les cauchemars annulés. Tous ceux qui étudient oublient, lisent oublient, et ils oublient tout le temps. Annulés de leur vie au nom de Jésus. Recevez une nouvelle vision. Reçois une nouvelle stratégie. Reçois une nouvelle motivation. Reçois les finances dont tu as besoin pour aller de l'avant. Reçois tout ce qui te faut du ciel pour faire de toi un changeur du monde au nom de Jésus. Marche comme un vainqueur. Étudie comme un vainqueur. Écris comme un vainqueur. Va de l'avant comme un vainqueur. Tu ne seras pas pygmé. Tu ne seras pas en bas. Tu ne seras plus rabaissé avec l'énergie divine, avec la puissance divine et la vision pour réussir. Je vous transmets ça au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et je commande à ton cerveau, réveille-toi. Je commande à ta pensée, développe-toi. Et toutes les fixations et toutes les choses qui te rabaissaient, j'enlève tout maintenant de ta vie. Tu es libre. Tu es libre. Je suis libre. Dans cette liberté, va et réussis. Dans cette liberté, va et évolue dans le monde. Dans cette liberté, va plus haut, va plus haut, va plus haut. Et à partir de ce jour, tu seras sur la plateforme avec un nouveau départ. Je t'envoie pour un niveau supérieur. Tu as entendu parler de moi, tu connais mon nom. Le monde entendra parler de toi. Confirme-le, Seigneur. Seigneur, confirme-le. Mon frère là-bas, le Seigneur va le confirmer dans ta vie. Ma soeur là-bas, ma fille là-bas, le Seigneur va le confirmer dans ta vie. Vous savez, quand j'étais entré au secondaire, j'étais toujours le dernier. Quand j'ai fini le secondaire, j'étais pratiquement le premier. Et à l'université, quand j'étais entré, je n'ai pas même pas l'argent pour commencer. Je ne connaissais même pas ma gauche de ma droite à l'université. Mais j'étais sorti de l'université. J'étais le premier dans toute l'université. Toute l'université. Toi maintenant, c'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour.
Ce que tu n'as pas pu faire là-bas, je vous transmets ça maintenant, mon fils, ma fille. Va et fais-le. Ce que je n'ai pas pu réaliser dans le monde professionnel de l'éducation, je vous transmets cela. Va et achève ce que je devrais achever. Je vais demander d'après toi. Je vais suivre de près. Et je vais prier pour toi. Et quand je quitterai ici, le succès est venu pour toi. Le succès est établi dans ta vie. Je n'ai aucune ombre de doute. Tu seras un changeur de monde. À tout moment, rappelle-toi, tu as un Père ici qui prie pour toi et qui ne va pas cesser jusqu'à ce que tu atteignes le sommet de ta montagne. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, prions.